Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Mais d'un sujet très important, parce qu'il me revient souvent dans les commentaires, c'est le masque de calque. Il est vrai que je reçois beaucoup d'images qui ont été créées par vos soins par rapport à mes tutos, et voilà, qui sont très très bien réalisées, et que les gens me disent « oui, mais nous avons fait que recopier simplement ». Par contre, j'ai du mal à assimiler les masques de calque. Oui, c'est vrai que c'est très important de pouvoir utiliser à bon escient le masque de calque. Il est très important parce que il est fréquent tout le temps. Dans chaque image que nous travaillons, le masque de calque est vraiment important. Alors, comment l'utiliser justement et d'une meilleure façon? On va prendre un exemple sur deux images quelconques et pas de très bonne qualité justement. Voilà, je vais prendre par exemple ce point d'eau, voilà, un point d'eau, et essayer d'assembler à cette image un arrière-plan, qui est celle-ci, vous voyez, pas de vraiment de très belle qualité. Vous voyez, deux images totalement différentes, c'est-à-dire essayer de mettre un ciel justement sur ce plan d'eau. Vous voyez, vraiment rien à voir. Et on s'aperçoit en plus ici qu'il y a un point d'eau aussi sur l'image d'arrière-plan, mais il y a une perspective sur ce plan d'eau, vous voyez, que je n'ai pas ici. Alors justement, comment créer un genre de perspective sur cette image? Ben, allons voir ça. Nous avons les outils dans GIMP, dans les employés. Nous avons ici l'outil transformation 3D. Si je clique dessus et que je clique dans mon image, une fenêtre s'ouvre avec des paramètres. Vous avez ici le premier paramètre, si je clique dessus, qui est un point de disparition, vous pouvez essayer les décalages, vous pouvez essayer, et vous avez ici les angles, voyez, le dernier petit pictogramme qui est les angles. Si je prends la valeur Z par exemple, mais que je bouge, vous voyez, ça donne ceci, réinitialiser. La valeur Y, ça donne ceci, je réinitialise. Et la valeur X, qui est très importante, c'est ceci, réinitialiser. Je peux aussi, au lieu d'employer ici les petits paramètres en étant bien sur mon angle, sur celui-ci, avec mon curseur, vous voyez, si je voyage avec mon curseur en étant bien sur les angles, j'ai une croix. Par contre, si je sors, j'ai une autre image. Vous voyez, je peux faire ceci, puisque je travaille du bas de l'image. Je fais réinitialiser. Par contre, si je vais sur le côté droite et que je bouge, là, je peux m'amuser. Donc, je dis, ah, intéressant. Donc, je regarde, je me dis, je vais donner une perspective. Comme ceci, par exemple. Et je fais transformer. Boum. Je dis, oui, c'est joli, mais j'ai de la perte. C'est vrai que, où est passée cette image? Si on s'aperçoit ici, je fais affichage. Je vais tout afficher. Vous voyez que j'ai une perte qui est ici à gauche et à droite. Donc, je peux remettre ici, tout afficher. Comment justement récupérer cette perte? Alors, si on regarde bien, vous voyez que j'ai ici une barre de règles qui est ici, vous voyez. Si vous ne l'avez pas, je vais dans affichage, vous voyez ici, afficher les règles, vous voyez, si j'enlève, affichage, afficher les règles. Et vous voyez que si je viens avec mon curseur ici au-dessus, vous voyez que il y a une petite flèche qui bouge et qui me montre par rapport ici à la taille de mon image que je suis bien à zéro ici. Vous voyez? Et ici, si je viens à la longue, enfin à la largeur que je souhaite avoir, qui est ma perte, si je viens avec mon curseur ici, je suis, on regarde ici la petite flèche, si je viens avec mon curseur, je regarde en haut, je suis à plus ou moins 160. Vous voyez? Donc je dis, ok, j'ai un supplément de 160 là, mais j'ai 160 de l'autre côté aussi. Donc 160 x 2, 320. Donc je sais que je dois augmenter mon image de 320 pixels. Donc pour ce faire, en étant sur mon calque, si je vais dans Images et je fais Taille du canevas, je vois que je suis à 960. Donc 960 plus 300, 1200. Mais j'ai 320, donc 1200
plus les 60 d'ici, 1260 plus les 20, 1280. Donc, je dis, je ne vais pas m'éterniser, je vais taper 1300 pour être à l'aise. Donc, si je clique ici dedans et que je fais 1300, et que je fais entrée de mon clavier, boum, vous voyez que mon image, elle s'est agrandie ici, vous voyez. Je peux la centrer, je peux la descendre. Je suis, voilà, bon, je fais centrer, voilà. Donc là, je fais redimensionner. Et vous voyez, j'ai récupéré ici la perte de mon image. J'ai oui, mais par contre, j'ai beaucoup de manquements. Là, j'ai récupéré la dimension adéquate, mais par contre, j'ai beaucoup de pertes ici. Alors, disons ce que j'ai parti ici, la partie inférieure, je n'ai pas besoin. Et je verrai après, pour la suite, la partie supérieure. Donc, je vais essayer de couper cette image déjà. Donc, je vais aller dans Images. Et je vais ici aller Découpage rogné selon le contenu. Boum, elle est coupée. Vous voyez? OK. Par contre, il me manque ici de la hauteur. Eh bien, j'ai encore des outils qui me permettent d'aller voir ça. Je prends ici l'outil de découpage. Je vais faire une sélection, je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé et je tire un cadre. Donc je ne sais pas aller plus loin de toute façon. Je ne sais pas aller plus loin que mon canevas. Et je voudrais augmenter le haut. Eh bien, je vais cliquer ici. À moins que chez vous, il est peut-être coché. Mais ici, voilà, je fais autoriser l'agrandissement. Là, je prends mon bouton de commande et je tire vers le haut, je regarde. Je vais par exemple augmenter mon image. Ouais, de ça par exemple. Et je fais, en étant toujours, je n'ai que ça de cocher, hein, vous voyez. Je fais un clic à l'intérieur. Et mon image est agrandie. Et je peux mettre ici, en faisant un clic droit, calque aux dimensions de l'image. Je dis, oui, tout ça, c'est très bien. Mais comment je vais combler ici le vide? Ben, nous avons les outils. Quels sont les outils? Je vais d'abord agrandir mon image. Voilà, je viens ici, je regarde. Et nous avons les outils de clonage. Donc, je vais prendre ici l'outil de clonage. J'ai une brosse de 0,75. J'ai une taille de 89. Je regarde, ouais, je suis pas mal. Je viens, du moment que j'ai de la place pour venir avec ma deuxième brosse ici, donc je viens un peu en arrière. Je vais prendre par exemple, ouais, je vais prendre ici par exemple. Ouais, je peux prendre ici. Ouais, ici par exemple, voilà. Je viens là, j'appuie sur la touche CTRL pour choisir mon point de départ, ce que je vais copier. C'est pour ça que je viens juste sur mon canevas pour rester bien aligné. Parce que j'ai coché ici, vous voyez, dans mon outil de clonage, j'ai bien cliqué ici sur aligner. Vous voyez? Donc je viens chercher un point de repère, j'appuie sur la touche CTRL, je fais un clic gauche, boum. Vous voyez, j'ai mon cercle qui est établi sur mon point que je viens de donner. Et maintenant, ici, je peux jongler avec ma brosse parce que je suis aligné. De toute façon, je peux venir ici et je peux, vous voyez, cloner ce que j'ai besoin. Donc, je viens cloner. Je reste aligné avec ma brosse. Voilà, on s'amuse. Voilà, on regarde. Voilà. J'ai un petit manquement. C'est pas grave. Je viens ici. Pas trop grave, hein, ça, j'en fais pas. Je vais prendre ici la même façon. Je viens ici, je viens dessus, petit clic gauche, clac, et je viens cloner. Voilà, je diminue. Je regarde. Je reviens ici. Je refais là. Je fais là. On s'amuse. Hein. Voilà, je suis satisfait. Alors, maintenant, allons chercher notre ciel. Pour cela, prenons notre ciel. Vous pouvez le glisser, par exemple, ou vous pouvez faire CTRL-C. Voilà, je fais CTRL-C. Je viens sur mon image, je fais CTRL-V. J'ai une sélection flottante, j'attribue un calque. Je vais positionner calque.
je vais le mettre en haut déjà, et je vais jouer avec ces dimensions. Donc je vais prendre ici l'outil mise à l'échelle, je clique dans mon image, la chaîne est bien ouverte, j'ouvre de ce côté-ci, voilà, j'ouvre de ce côté-là, voilà, et je vais ouvrir, je regarde, je prends par exemple ceci, voilà, mise à l'échelle, voilà, j'ai ceci. Vous me dites, oui, que vais-je faire avec ça? Par exemple, si maintenant je mets mon calque aux dimensions de l'image, pour enlever le petit pointillé, voyez. Oui, vous me dites, j'ai une différence de couleur. Si par contre je descends mon calque, j'ai déjà ceci. Oui, j'ai un arrière-plan. Et justement, je peux aussi jongler en étant ici sur mon calque qui est de mon ciel. Je peux cliquer dessus. Prendre mon outil de déplacement, je fais un clic dans mon image et je joue avec les touches fléchées de mon clavier. Et je regarde. Vous me dites, oui, tout ça c'est bien, mais j'ai une différence d'eau. Vous me dites, mais Pierre, peut-être peux-je changer les couleurs de mon plan d'eau. Vous allez voir que c'est là la magie. Le travail d'un masque de calque peut donner de très très belles choses. Alors, je me dis, tiens, je vais agrandir et je vais descendre ici mon point d'eau de mon image, l'arrière-plan qui est le ciel. Et je vais le mettre juste à ras de mon plan d'eau. Voyez. Je n'ai que le fond noir. Je peux mettre ici calque aux dimensions de l'image. Alors, calque aux dimensions de l'image. Vous pouvez laisser comme ça, c'est encore un exemple que je vous donne. Vous me dites oui. Et c'est là que maintenant on peut faire venir le masque de calque. Donc si je reviens, je vais prendre par exemple ici mon ciel et je vais le monter en haut. Vous me dites, si je vais faire apparaître mon point d'eau qui est l'arrière-plan, qui est celui-ci, j'ai qu'à prendre une gomme. Je peux gommer en étant sur mon calque ciel. Je peux venir gommer, voyez. Oui, alors vous devez encore une fois, si vous dépassez par exemple ici, vous voyez, vous êtes là. Vous devez prendre l'anti-effacement et revenir et ainsi de suite. Vous voyez, toutes les petites erreurs que vous pouvez faire, voyez. Et c'est là la magie aussi du masque de calque. Alors, comment employer justement le masque de calque. On va commencer tout doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, allons créer un masque de calque en blanc. Ajouter. Qu'est-ce un masque de calque? Mais justement, un masque de calque travaille sur son image propre. C'est-à-dire que ce masque de calque représente votre image. C'est-à-dire, pour le moment, comme il y a un masque de calque sur le ciel, elle représente le ciel. Tant que nous travaillons sur son masque de calque, qui est ici la vignette blanche, l'image ne change pas. Elle garde toutes ses valeurs. C'est là le côté aussi intelligent du masque de calque, c'est que nous pouvons travailler et faire des modifications sur l'image sans toucher sur l'image propre. C'est-à-dire comment? Mais en sachant que le blanc représente de l'opacité, c'est-à-dire qu'elle représente l'image en elle-même, pas la transparence, puisque bon, voilà, la transparence n'est pas une image. Donc elle donne de l'opacité sur son image. Si par contre maintenant, je mets ce masque de calque en noir, c'est-à-dire je vais changer la couleur, et je vais inverser, ça disparaît. Pourquoi? Parce que le noir, en masque de calque, représente la transparence. La transparence de quoi? La transparence par rapport à l'image qui est attribuée dans le masque de calque. Donc elle donne bien de la transparence sur le ciel. C'est-à-dire maintenant
que si je veux donner de l'apparence sur mon image, je dois le mettre en blanc. Il y a plusieurs façons de le mettre en blanc. Soit vous avez, via une brosse, je vais prendre par exemple cette brosse, voilà, je n'ai pas touché à la... À quel genre de brosse, je n'ai pas changé la taille, mais par contre, je vais prendre ici, vous voyez, je suis toujours en noir. Donc, si je mets ici en blanc, ce que je vais peindre en blanc, ici, il va me faire apparaître mon ciel. Si je descends, il va aller jusque la totalité de mon ciel qui est ici, vous voyez. En dessous, c'est la transparence. Vous voyez, et vous le voyez bien ici, si je fais afficher le masque de calque, vous voyez que j'ai bien peint en blanc ici. Vous voyez, si je repeins encore en blanc ici, il va me donner un peu plus de ciel. Donc, je refais un clic. Vous voyez, il me donne un peu plus de ciel. Ça, c'est le système du noir et du blanc. Mais vous avez aussi les nuances de gris. Donc, je vais faire un CTRL-Z. Voilà. Donc, je suis bien ici de nouveau en transparence complète. Je vais le remettre en opacité. Donc, je vais changer ici les couleurs. Je vais inverser. Donc, hop, Eureka, l'image réapparaît. Pourquoi? Parce que j'ai redonné de l'opacité dans mon image. Ça, c'est ce que vous devez surtout bien comprendre. Le blanc et le noir. C'est pas trop compliqué. Mais il joue aussi sur les nuances de gris. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment jouer maintenant sur les nuances de gris sur mon calque, mon masque de calque. Si je prends mon masque de calque, je vais le prendre ici, je vais l'afficher. Voilà. Je travaille sur mon masque de calque. Hein. Ne croyez pas que c'est un calque que je viens de créer. Je suis bien sur mon masque de calque. Si je prends l'outil de dégradé, ici, et je prends du blanc vers le noir ou du noir vers le blanc, vous cliquez sur la flèche comme vous voulez. Donc, on va prendre par exemple du blanc vers le noir. Si je tire un trait ici, voilà. Mon point de départ est bien au début de l'image. C'est-à-dire au moment où je commence à tirer mon dégradé, ben, il commence directement à dégrader. Et ici, j'ai des nuances de gris. Oui, j'ai des nuances de gris ici. D'accord? Donc, OK. Je fais entrer mon clavier. Donc, on va regarder ce qui se passe à mon image. Vous voyez que j'ai vraiment bien un dégradé qui part du blanc vers le noir. Donc, si je refais un clic et que je fais décocher, afficher le masque de calque, vous voyez, il m'a donné bien de l'opacité, puisque le blanc, je le répète, c'est toujours de l'opacité à la transparence, et comment sont dégradés. Maintenant, je vais revenir sur mon masque de calque, réafficher, je vais recommencer un dégradé, et vous allez comprendre encore, je vais refaire un dégradé dessus, toujours de blanc vers le noir, comme on a fait. Si je prends mon point de départ blanc et que je le déplace, tout ce qui se passe avant, il le mettra en opacité complète. Tout ce qui se passe avant, puisque j'ai commencé mon dégradé ici, qui part de là à là. Si je prends mon point final et que je le déplace aussi, lui, tout ce qui sera après lui, ben, sera en transparence complète. Donc le dégradé va se faire de mon point de départ à mon point final, qui n'est que cette petite largeur. Et ici, j'ai une nuance de gris. Donc tout ça, ce qui est avant, ce sera en opacité, et tout ce qui est derrière, ce sera en transparence complète. La plus belle preuve, je vais entrer et que je fais apparaître de nouveau mon masque de calque. Vous voyez, j'ai donné plus d'opacité dans mon image et plus de transparence de l'autre. Comme ça, quand on va pouvoir commencer à jouer, c'est là qu'il faut surtout bien comprendre cela. Donc je fais CTRL-Z. Voilà. Je suis en blanc et je fais décocher. Voilà. Et je peux faire réapparaître mon plan d'eau. Dites, ah ouais, je peux commencer à comprendre, Pierre. Oui. Donc, on se dit, si on veut travailler
avec un dégradé, vous allez voir que je vais prendre par exemple, je vais ouvrir un calque pour mieux que vous allez comprendre. Si je vais prendre un dégradé, du blanc vers le noir tout simplement, et que je tire, vous voyez que je ne suis pas stable. Est-ce que je suis bien vertical? Parce que, vous voyez, sinon, ça peut donner du biais. Vous voyez? Donc, je vais faire entrer mon clavier et je vais supprimer ce calque. Donc, si je mets un guide, ici, au centre, quand je vais travailler avec mon dégradé, je n'ai qu'à suivre, avec mon outil dégradé, mon guide. Il va rester bien vertical à l'image. Donc, c'est un exemple. Si je suis bien sur mon masque de calque ici, et que je vais prendre l'outil dégradé. Si maintenant je mets ici du noir vers le blanc, c'est pour voir si vous avez compris. Je suis bien du dégradé du noir vers le blanc. Si je prends mon point qui est ici, là, et que je tire vers le bas, que va-t-il se passer pour vous? Voilà, je ne vous entends pas, mais essayez de comprendre, je suis bien dégradé du noir vers le blanc. Que va-t-il se passer? Si je fais un clic ici et que je tire, boum, je reste sur mon... Ben oui, je vous ai expliqué tout ce qui se passe. J'ai commencé à tirer un dégradé ici, vers le bas. J'ai commencé à dégrader de la transparence vers l'opacité. Donc tout ce qui était au-dessus de mon point de départ... Ben, il l'a mis en transparence. Si je fais entrer, regardez mon masque de calque, vous voyez, il a bien mis la transparence complète au-dessus et l'opacité complète en dessous. Si maintenant je fais couleur et je fais inverser, vous voyez ce qu'il me donne? Et là, j'aurais dû être à ce moment-là du blanc vers le noir. J'espère que oui, c'est pas facile. Vous voyez déjà la différence maintenant que vous pouvez avoir comme rendu avec un masque de calque. Vous me dites, ouais, c'est pas mal. Ok, je dis, tiens, je vais supprimer son masque de calque ici, par exemple. Voilà. Et je vais changer. Je vais mettre, par exemple, maintenant, je vais le descendre et je vais travailler, par exemple, sur mon océan. Et je vais faire la même chose. Je me dis, pourquoi pas? C'est pour ça que je dis, faites bien des tests et bien comprendre aussi le maniement du masque de calque. Donc là, je vais recréer un masque de calque en blanc. Vous avez bien compris le système. Maintenant, si je commence, moi, encore une fois, à tirer un dégradé du blanc vers le noir, qu'est-ce qui va se passer? Ou du noir vers le blanc? Vous le savez maintenant? Donc, je vais prendre ici et je tire. Il me donne quoi? De l'opacité vers la transparence. Vous me dites, bah, je ne comprends plus rien. Ben oui, mais pourquoi? Parce que je suis sur... Là, je vais faire entrer de mon clavier, comme ça vous comprenez. Je ne suis plus sur mon ciel, je suis bien sur mon point d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a gardé la partie supérieure en blanc par rapport à ce que j'ai tiré, et puis il m'a mis de la transparence, donc je n'ai plus de point d'eau. Donc à ce moment-là, je reviens ici sur mon masque de calque, je peux faire couleur inversée. Vous voyez? Vous me dites, oui, qu'est-ce qui se passe là? J'ai trop de transparence. Ben oui, parce que j'ai été trop loin. Donc je fais CTRL-Z. Voilà, je viens ici, je vais prendre du noir vers le blanc, je viens ici, je tire. Vous voyez ce que je peux faire? C'est-à-dire que je donne déjà maintenant un petit rayon de soleil dans l'eau. Vous voyez déjà la différence par rapport à mon ciel que j'avais mis au-dessus? C'est là que vous avez bien compris. J'ai commencé à tirer de la transparence dans mon eau, c'est-à-dire que j'ai enlevé la petite partie qui est ici au-dessus pour donner de l'opacité dans mon point d'eau et pour donner de la transparence pour justement pour faire apparaître ce qui est derrière.
c'est mon ciel. Vous comprenez le système? Vous me dites, ouais, c'est pas mal. Si on réfléchit bien, on se dit, tiens, je vois qu'ici, mon image, elle s'arrête ici. Donc, je vais tirer un guide, un exemple. Elle s'arrête là, plus ou moins. Donc, si je regarde mon ciel, mon point d'eau, vous voyez qu'elle s'arrête ici. Je dis, ouais, ouais, c'est pour ça que je n'ai que cette lueur qui vient ici. Je me dis, ok. Je dis, si par exemple, maintenant, je viens ici, sous mon calque ciel, et je vais tirer une sélection. Je vais prendre par exemple ici. Je vais prendre ceci par exemple. Là. Voilà, je fais un clic à l'intérieur. Et je vais prendre mon outil de mise à l'échelle. Je clique dans la sélection. J'ai la petite chaîne ouverte et je tire vers le bas. Comme ça. Je fais mise à l'échelle. Boum. J'ai une sélection flottante. Je vais l'attribuer dans mon calque puisque je travaille avec celui-là. Voilà. Je vais enlever mon guide qui est ici. Donc je vais prendre le petit déplacement. Et je vais enlever ce guide. Le guide. Voilà. Je l'enlève. Je reviens sur mon calque. Je reviens sur mon masque de calque ici. Je reprends mon outil de dégradé. Voilà. Je suis bien du noir vers le blanc. Je reviens sur mon point de départ. Je tire. Et je peux descendre plus bas. Je reste vertical. Et je fais entrer mon clavier. Et je reprends à nouveau mon guide. Un guide, je viens chercher et je déplace. Vous voyez. Comment vous pouvez tirer d'une simple image, déjà un très très beau résultat, juste avec les nuances et le dégradé et le masque de calque. C'est pour ça que je dis, réfléchissez bien à votre aise. Voilà, vous avez vu qu'il manquait un certain moment ici. Voilà, il y avait juste à remédier ici un petit peu l'espace par rapport à ce que j'ai allongé. Mais vous voyez qu'il me manquait juste un peu de rayon de soleil que j'ai allongé ici, vous voyez. Simplement. Pour donner un peu plus de dégradé dans mon image, pour pouvoir fondre mon arrière-plan avec mon point d'eau. Voilà, faites plein de tests. Je mettrai les deux images dans la description. Travaillez, comprenez bien le masque de calque et toutes ses possibilités et justement les valeurs que ça peut donner. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.